Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ce strip, je voulais continuer la série de petites histoires que j'avais commencé sur ma fille Lola et son doudou. Et là, je voulais surtout mettre en image le fait que des fois les enfants se chipent des jouets ou des nounours ou ce genre de choses. Et que généralement, justement, quand on touche au doudou, alors là, c'est sacrilège, quoi. Faut pas y toucher, c'est super important. Et si un enfant vole le doudou d'un autre enfant, alors là, ça risque d'être très très compliqué. Voilà. Donc je voulais mettre ça en image, mais toujours dans cet esprit un peu Calvin et Hobbes, que voilà, qui encore une fois pour moi reste une référence absolue. Et je voulais rendre le doudou un peu agressif en fait, le faire tout mignon avec sa petite tête au début, et puis quand l'enfant essaye de le prendre, il lui dit vas-y, vas-y, viens, tente ta chance, tu vas voir, il va t'arriver des bricoles. Et je voulais vraiment mettre ça en image, je trouvais ça rigolo, avec l'enfant à la fin qui va voir sa mère en disant ah, le doudou il m'a dit des choses pas gentilles, et puis la mère qui dit voilà, il met enfin, ça parle pas, doudou. Et donc voilà, je trouvais juste ça marrant de mettre ça en image. En plus, l'histoire était courte, ça fonctionnait assez bien sur un 3 cases, donc voilà, j'ai pas eu d'autres. Pas eu trop de difficultés sur celui-là et je me suis bien marré en le réalisant. C'était rigolo de travailler un petit peu sur les expressions, même si je pense que j'aurais encore plus exagéré le rendu, surtout à la fois pour le doudou mais aussi pour l'enfant qui a un peu peur. Et je suis resté sur des nuances d'une seule couleur pour encore une fois continuer à travailler ma lumière et essayer de vraiment de gérer ça et que tout reste bien bien lisible. Et pour revenir sur les strips en général, donc je pense continuer en quotidien jusque fin juin, et à partir de début juillet, je vais plus être en quotidien parce que si je fais tout le mois de juillet, du coup j'aurai trop de strips pour les imprimer, et je veux vraiment tous les imprimer. Donc du coup, je vais rester à un truc moins quotidien et ça me permettra de prendre un peu plus de temps pour les derniers strips et voir un petit peu ce que ça peut donner si je prends vraiment mon temps et si je suis plus sous contrainte d'avoir une heure et demie par strip. Voilà, il me reste quelques secondes pour vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt!